Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le démonter, l'Urban Sniper, comme toujours. Donc voilà, vous avez le sniper ici. Et donc, vous commencez. Alors, en première partie, c'était par où que j'avais pris. Donc là, c'est là. La première partie, ce sera de démonter ça, cette partie-là, là, le garde-main. Donc là, vous démontez ici. Là. Oh la mince. N'oubliez pas de retirer le chargeur et la lunette. Donc là voilà, comme ça. Voilà, comme ça on est au moins sûr et certain qu'il n'y aura pas de soucis. Donc là, vous dévissez ces deux vis là. Puis. Hop, attendez. Hein. Surtout, faut pas perdre la petite rondelle là à côté ici. Voilà, ah, elle est là-dedans. C'est bon, elle est partie. Voilà, donc ensuite la deuxième, et il vous restera plus que l'autre là. Voilà. Je fais ça vite fait, j'avais pas préparé ça. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, on passe à cette deuxième partie là. Donc vous dévissez juste un peu comme ça, pas entièrement la vis, et hop, ça sort tout seul. Je tire un coup. Et là, c'est bon. Donc il faut dévisser entièrement en fait. Voilà. La vis reste dans le garde-main. Voilà, donc vous avez le garde-main ici. Hop là. Donc ça, vous le laissez ici, c'est bon. Ensuite, donc, il va falloir que vous retiriez cette partie-là. C'était par où? Donc là, ici, vous retirez cette petite vis, ce petit clou, on va dire. Donc là, il faut appuyer un coup. Voilà, donc là il est sorti de ce côté là, comme on peut voir, je sais pas si là c'est vous. Voilà, donc vous sortez le clou. C'était quelle vis qu'il fallait retirer là? Tac, voilà. Hop. Alors, sortir. Voilà, donc c'est bon, il est sorti. Voilà, donc ensuite vous avez la deuxième partie, donc là ça sera plus simple à manier. Voilà, la deuxième partie qui va sortir. Donc il faut là, vous poussez comme ça un petit coup. Tac, voilà. Donc là, attendez. Voilà, un petit coup comme ça et vous soulevez. Ah. Attendez, là j'ai un problème de blocage. Donc voilà, on se retrouve maintenant, là tout de suite. Donc en fait, j'avais oublié, il faut relever le petit truc. Vous poussez un petit coup comme ça, là il y a cette partie là qui s'écarte, et là vous n'avez plus qu'à soulever. Donc là vous avez ça, c'est la petite comme ça là. Non, non, non. Hein? Et donc ensuite, excusez-moi, j'ai eu un. Là, ce qu'il vous faudra, c'est d'abord dévisser ces deux petites vis. Là, ces deux parties-là vont se retirer. Mais là, je vais peut-être pas le faire parce que c'est long à remettre. Donc en fait, vous allez retirer ici. Cette petite vis-là, là, vous la dévissez aussi. Et vous tirez, le canon va sortir. Ici, là, cette partie-là va coulisser. Vous tournez comme ça, dans le sens anti-horaire, je crois. Après, vous allez avoir accès à l'intérieur, ici, là. Il y aura la petite vis de puissance au bout qui, attendez, elle est posée là-haut. Hop. Voilà, donc elle est là, c'est la petite bride là, de puissance comme ça. C'est bon, on voit à peu près là, c'est bien. Voilà, donc ensuite, pour le remonter, une fois que vous avez revissé cette partie-là, c'est tout aussi simple. Donc là, vous soulevez le loquet. Hop, vous la posez, tac, et vous l'enfoncez. Vous remettez le loquet, vous prenez le clou, surtout pas l'oublier lui, parce que sinon vous perdez votre réplique en pleine partie, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Ensuite, vous prenez le garde-main. Alors lui, il est dur à fixer. Alors attendez, hop. Voilà. Le principe est bon, voilà, c'est bon. Voilà.
Et voilà. Donc là, vous avez le truc. Vous vissez ici. Voilà. Donc là, vous devez vous visser en tout. Machin. C'est bien. C'est bien. Voilà. Ensuite, vous prenez les deux autres. Et normalement, bah, votre sniper est débridé. Et si vous regardez la vidéo pour le démontage, bah, vous avez en fait l'ensemble entièrement sans avoir à le débrider. Donc, le débridage, je vous ai montré où elle était la vis, la bride de puissance. C'est pas très dur à retirer. Et puis bah, voilà, il n'y avait pas besoin, vraiment besoin de dévisser tout ça. Moi, il est débridé et il est. Je crois qu'il est à 2 joules 1. Donc si vous voulez éviter d'avoir des soucis, vous le déclarez en municipalité, c'est mieux. Et puis bah, voilà. Donc voilà, c'était le débridage ou le démontage du Well MB06 Urban Sniper. Voilà, allez, salut.